Je ne partage pas la douleur de Marcelo. Ah bon? Et pourquoi? Marcelo a eu ce qu'il récolte. Quoi? Babi, tu me tues par l'épée, tu meurs par l'épée. Ça, c'est clair. Mais je partage la douleur de la famille. Oh, bah, toi, vous comprenez, Kangate. Je le dis et je le répète. Comme je l'ai dit aussi auparavant, dans mes précédentes vidéos. Je partage la douleur de la famille de la femme. À sa famille. Mais à Marcelo, non. Je Wanda sur lui. Je Wanda sur Marcelo. Parce que Marcelo a dénigré Papa Wemba. A dénigré King Kester. Il a fait pleurer Maman Amazon. Il a fait pleurer toutes autres personnes, femmes. Oh, bah, votana Papa Wemba. Il a fait pleurer Bana Papa Wemba. Papa Mana Bana Mikolo. Andro ya Sidney Poisson, Bana Msous, Bana Mikolo Bazaï. Banana balandaka réseaux sociaux, balandaka nini, bamoni mutumo kopo. Il a aussi, azan église à Mounene, azan pe la bazo bebele balandaka e, tanga loba mabe. Potanga loba mabe à Papa Wemba, Papa Wemba bebi sa génération, a bebi sa batou. Na église, bon, dima, amen. À quel moment on se dit qu'on va trop loin en fait? À quel moment? À quel moment on stoppe sa propre méchanceté? À quel moment on se dit non, je vais m'abstenir parce que ça va trop loin? Le pasteur Marcelo Tounassi a perdu son épouse, Maman Blanche. L'église, en particulier l'église évangélique francophone, est en deuil suite au décès de Maman Blanche. Beaucoup aujourd'hui ont découvert l'existence de cette dame avec son décès. Pourtant, ils connaissent le pasteur. Pourtant, son époux a un ministère populaire. Mais beaucoup l'ont découvert aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette dame, cette grande dame que nous avons perdue, c'est une dame qui s'est démarquée par sa douceur, par sa discrétion, par sa grâce. Et je suis choquée, vraiment, je suis choquée. Lorsque le pasteur Marcelo, lorsqu'on a découvert la mort de Maman Blanche, on s'attendait à ce que, bien évidemment, les gens viendront dire que c'est le pasteur qui a peut-être sacrifié sa femme. Parce que en Afrique, apparemment, les gens ne meurent plus normalement. Mais vraiment, je suis choquée que les gens puissent venir accuser cette dame d'avoir fait du BBL. En fait, ça me choque, en fait. Ça me choque, en fait. Ça me choque. J'ai vu ça au début, je me suis dit non, c'est une blague. Mais là, j'ai l'impression que ça commence à prendre un peu de l'ampleur, en fait. Les gens veulent salir la mémoire de cette dame. Comme vous n'avez rien trouvé d'intéressant à dire sur cette dame, tellement elle est discrète, tellement elle était discrète, tellement elle était pudique. Après ça, moi, vous voulez venir la salir avec une histoire de BBL. Non pas que je condamne les personnes qui ont fait le BBL, mais lorsqu'on sait qui était Maman Blanche, une femme discrète, une femme discrète, une femme avec une telle pudeur, venir l'accuser de faire du BBL, lorsqu'on sait que le BBL, toutes les personnes qui font le BBL le font pour mettre leur forme en avant. Donc vous n'avez rien trouvé de mieux. Vous avez essayé d'accuser le pasteur, mais ça on s'y attendait. Mais comme vous voulez tellement faire mal, vous voulez tellement toucher là où ça fait mal, vous voulez salir la mémoire de cette dame. Pourquoi? 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 Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes tellement habitué au drama que même pour la mort, vous voulez créer un drama derrière la mort de quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quelqu'un peut-être que vous ne connaissiez pas. Vous voulez créer un drama comme aujourd'hui tout le monde parle de son décès. Non, il faut forcément une rubrique dramatique, mon Dieu. Quand est-ce que vous dites stop? Et ce que je condamne, c'est ceux qui viennent commenter. Je vois plusieurs publications où les gens viennent commenter. Ah, il paraît que c'est BBL. Vous, c'est vous-même qui êtes les plus condamnables. Parce que vous continuez à propager, à essayer de propager quelque chose qui est faux. Maman Blanche, elle est partie. Beaucoup de gens parlaient de l'arrêt cardiaque. En tout cas, c'est la cause la plus possible puisqu'elle n'était apparemment pas malade. Il y a quelques jours, on la voyait encore debout. Elle n'était pas, en tout cas, elle n'avait pas une longue maladie. Donc, la thèse de la crise cardiaque, même ni l'église, la compassion, ni le pasteur lui-même n'ont confirmé, c'est la thèse la plus plausible. Peu importe que ce soit ça ou c'est pas ça, mais vous ne pouvez pas venir essayer de salir son nom. C'est-à-dire que déshonorer cette dame après sa mort. Une femme qui a toujours, toujours eu l'honneur de toute la communauté chrétienne. Non, franchement, je suis choquée en fait. Si j'étais dans la chair, j'allais vraiment dire vraiment que Dieu vous punisse, que Dieu m'aide. Je connais tellement le Dieu que je sers, que je sais que ça ne sert à rien de vous détester en fait. Mais je suis quand même choquée. Je prie que Dieu vous pardonne, vous qui essayez de façon malicieuse de venir salir la mémoire de Maman Blanche. Vous qui venez poser la question, oh il paraît que c'est BBL, c'est vrai. Je prie que Dieu vous pardonne parce que depuis quand aller en Turquie automatiquement est synonyme de BBL? Comment on peut avoir une mentalité aussi, oh my God, aussi stérile? Donc quand tu vas en Turquie, c'est seulement pour BBL. Quand tu vas à Dubaï, c'est seulement pour ta portée. Vous êtes tellement plongé dans l'univers de vos influenceuses, dans l'univers du Pongosa, que vous ne pouvez même pas prendre un moment de recul et se dire que là, il s'agit de quelque chose de snow, de quelque chose de sacré. Non. Vous voulez tellement alimenter vos pages, tellement les vues que... Oh, purée. Non. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne, vraiment. Que Dieu vous pardonne. C'est ma prière que Dieu vous pardonne. Et qu'il vous fasse prendre conscience. Personne n'est à l'abri de la mort. Mais voir son proche être calomnié de la pire des façons, c'est-à-dire qu'à l'opposé de Madame Maman Blanche, quelqu'un qui était pudique, on vient lui attribuer une affaire de BBL, mais c'est vraiment essayer, tenter de salir sa mémoire, mais vous n'allez pas salir sa mémoire. Vous n'allez pas salir sa mémoire malgré vos tentatives. Vous n'allez pas salir sa mémoire. Vous n'allez pas salir la mémoire de Maman Blanche. Caroline Lone, nos chers, la princesse des autres princesses. Écoutez le travail.
travail de Patou Bissaye. L'homme doit être magique.